Au moment où je vous parle, les agents grévistes sont en train d'évacuer les centres de transfert. Il convient désormais que ce retrait se confirme et que les centres soient totalement et durablement dégagés de toute entrave à leur fonctionnement. Si ces conditions sont réunies, une délégation de 8 personnes sera reçue demain matin. Je laisse le soin au syndicat Force ouvrière qui est à l'origine de ce mouvement et aux agents grévistes de s'entendre sur la composition de cette délégation pour refléter l'ensemble des catégories professionnelles. Pour ma part, je missionne un groupe de 4 élus pour se mettre à l'écoute des représentants syndicaux et des agents grévistes. Ce groupe sera piloté par Lionel Royer-Perrault, vice-président de la communauté urbaine, et associera Madame Monique Cordier, Monsieur le sénateur Bruno Gilles et Monsieur le maire d'arrondissement Yves Morin. Ils seront accompagnés et auront le soutien de mon directeur adjoint de cabinet, le directeur général des services, du directeur général adjoint et du directeur de la propreté. Le groupe d'élus, que j'ai missionné me fera part de son analyse et de ses propositions dans les meilleurs délais. Je vous remercie.